Plus tard le poteau, les autres clôtures ça va, celui-là il est bien encastré dans le truc, là c'est bien avec le petit mur du voisin, c'est super. Bon, là, je vais ranger tout ça et on y va. Bon, c'est bloqué, la porte est bloquée, le gars m'a dit, hop, parce que c'est pas mon gadget, on me l'a prêté le temps qu'on répare le mien, parce que le mien est foutu, ou qu'on change. C'est en plus... un EcoBoost en plus, un F-150, hop, et voilà, démarre la voiture, oh, il fait un joli bruit, je vais faire demi-tour plus tard et je vais rentrer chez moi dans la Loire, enfin dans mon pays, ça c'est bon, hop, voilà, c'est tout bon, et c'est bon, bon allez, et personne dans le rétro, ouf. On va faire demi-tour. Et il y a des beaux terrains. Moi je vais tourner par là. Ouais, c'est bloqué là. Bon. Ce qu'on va faire, on va faire ça. C'est bon. Allez, on rentre. Oula, revenir sur ma roue. Je suis un peu enrhumé en plus aujourd'hui. Bon, allez, je suis bientôt arrivé chez moi en plus. Ouais. J'ai fait un long trajet pour venir dans ce pays. Il faut quand même que je rentre. C'est un peu dur. En plus, chez moi, dans la Loire en plus. C'était en Haute-Loire en plus. Là, je rentre chez moi dans la Loire direct. Donc 42. Ah purée, mais j'ai pas de mouchoir dans la voiture, bon. C'est pas grave. Des beaux trucs ici, hein, quand même. Off. Ah, ça se voit que c'est l'automne encore. Ouh, lui il est prêt à être tombé. Bon allez, j'arrive chez moi.
Non, c'est un quoi? Attends. Suis bien trompé. What? Le pot? Je sais pas chez moi ça. L'huile fleurie, non, c'est pas chez moi. Bon, allez. Bon, j'ai dû me tromper de route. Bon, c'est très joli, mais c'est pas chez moi. Fais attention, il tombe. Grenouille, dur. Non, mais c'est vraiment pas chez moi, j'ai dû me tromper de route, c'est pas possible. Bon, un abattoir ici. Ouf, bon, on va partir par ici. C'est con, il n'y a pas de radio ce véhicule. Hop, hop. Ouais, bah c'est vraiment pas chez moi. Hein. J'ai dû me tromper de route. Et c'est sûr que le panneau s'est pas trompé? Ben non, c'est ici. C'est bien le pot ici. Bon, bah. Peut-être qu'en continuant cette route, je vais continuer à rentrer chez moi. J'ai dû aller un peu trop loin aujourd'hui. Bon, allez, je rentre chez moi. Et puis c'est tout. Je sais pas si vous voulez tourner là. Bon, on verra. On verra bien. Allez. Bonjour à tous, bienvenue sur Farming Simulator 17 sur la map Terre Bretonne V1 pour notre nouvelle série 100% Renault et Vieux Mastos. Donc aujourd'hui il n'y aura pas d'intro, il n'y aura pas d'intro sur cette série. Voilà, pour ceux qui sont fans pour la première épisode. Donc je tourne cette vidéo. Je tourne cette vidéo le lendemain où. Ben, le 6, j'ai téléchargé la map. Voilà, elle était à 19h15. Je voulais faire moi la vidéo le jour même, on pouvait pas. Donc le lendemain, je dis aujourd'hui, je dis je vais faire la vidéo et tout. Donc, on est le 7 aujourd'hui pour moi, ou ça sera dans la semaine après. Donc dans la semaine qui arrive, donc voilà. Vous la regardez en ce moment, donc voilà. Donc c'est une petite map. Alors quand on regarde la carte. Je peux pas vous la montrer, mais si je regarde la carte, elle est petite. Mais en fait, si je vous fais ça, voilà. Ah non, je peux pas. Mais elle est hyper grande, hein. Il y a beaucoup de champs. Bon, il n'y a pas des champs achetables et tout. Donc, on commence à, voilà. J'ai vendu les véhicules qu'il y avait de base, il n'y en a pas beaucoup, donc voilà. Donc c'est tout regroupé, hein, animaux, moutons, cochons et vaches. Voilà. Donc dites-moi ce qu'on va faire comme animaux. Si vous voulez qu'on fasse les trois élevages d'animaux, c'est-à-dire cochons, moutons et vaches. Voilà. Ou un seul, vous choisissez. Voilà, quand vous voulez, dites-moi dans les commentaires. Donc aujourd'hui c'est que des Renault. Donc on va commencer à acheter nos Renault. J'ai pas regardé ce qu'il y avait en champ à faire, mais tous les champs étaient à faire, je crois. Là, j'ai de la récolte de maïs. J'ai du blé. J'ai du betterave sucrière, mais je vais pas y faire. Ouais, il nous faut la machine et tout. Donc, on va déjà acheter notre premier tracteur. Je vais en acheter deux, mais je pense pas. Donc, on va acheter notre premier Renault. Alors, j'espère qu'il y a tous les Renault. Je voulais faire aussi une deuxième ETA, mais vu la map comme elle est petite, ça m'étonnerait. Donc voilà. Chargeur avant, je vais pas l'équiper tout de suite. Plus large. Il va rester en blanc comme ça. Voilà. Donc on achète notre premier Renault. Voilà. On va acheter une petite masse. Désolé si vous entendez du bruit extérieur. Parce que c'est plutôt une route très fréquentée. Je vais acheter ça. Je pense que celle-ci va bien aller. Elle est réglable de toute façon. Puis en plus, elle a une tige de celle. En plus, celle de jaune après. Donc, on commence. Puis après, il y aura les. Là, c'est le commencement. Le premier épisode, c'est le commencement et tout. Je vais faire la première. Le premier épisode, on fait le commencement. Le deuxième épisode, là, on verra plus l'achat et tout. On verra directement le boulot. Voilà ce que je vais faire dans le champ et tout. Je vous présenterai les tracteurs et tout. Mais c'est que des Renault, vous savez. Alors, en Ben.
Là, ces deux petites bennes, je les adore. Je les ai pas dessinées, mais je les adore. Celle-ci, elle peut servir à transporter les big bags. Pour faire plus réalisme, ce que je vais faire. Sinon, j'ai une petite une essieu, je crois. J'ai celle-ci de une essieu qu'on peut charger aussi. Les trois essieux, c'est pour une grosse entreprise, mais je crois que je vais les enlever. On verra. Sinon, il y a ceci, mais on verra ce qu'on prendra comme remorque. Avec un frein à main. Ouais, pas mal. Et puis on a des petites bennettes, mais voilà. On verra, on verra. Ouais, il y a ceci. Enfin, vous savez quoi? Vous savez quoi? Ah, j'ai même un plateau. Bah, c'est bien. C'est bien, c'est vachement rangé. Je vais peut-être prendre la petite baignonnée. Attends, non. Elle fait combien? Elle fait 12 tonnes. 12 tonnes 2, 100. Celle-ci, elle fait 18 tonnes, mais elle est pas réaliste. Et la benne. Ouh! On va prendre celle-ci. Ouais, on va prendre. Désolé, je suis un peu remis. Bon, elle fait 2000, mais bon, pas grave. Voilà. Donc, en moisse batte, on va s'acheter une mini moisse batte. Alors, j'ai quoi en mode? Ouais, j'ai des grosses moisse battes, j'ai la Dominator, etc. J'ai ceci. Alors, on va prendre la New Land. Voilà, on est en partie difficile. Voilà. Alors, je vais prendre sa barre de coupe. Donc, est-ce que je l'ai bien acheté? Oui, c'est bon, parce que ça arrive que. Je l'ai pas acheté et j'ai acheté autre chose. Voilà. Vous me connaissez un peu. Ou peut-être pas. Elle où sa part de coupe? Là, c'est annulant. Là, c'est tous les. Voilà. Bon, on va s'acheter là. Elle fait 6 mètres. Alors, il faudrait peut-être la barre de. Le porte-coupe. Le porte-coupe. J'aurais dû garder celui du jeu. Et j'espère que vous avez vu la petite vidéo avec musique et le petit intro, le petit RP que j'ai fait, le petit truc style RP, voilà, où je me trompe de map, etc. J'espère que ça vous aura plu. Ça fait 6 minutes de vidéo et je cherche toujours la barre. Vous allez me dire, oui, mais t'es con, elle est bien juste. Ouais, bah, elle est là. J'ai ceci, ceci. Je vais prendre ceci. J'espère que je vais pas bugger. Parce que le bug est certain. Certain. Ah, d'accord. Attendez. Voilà. Alors, est-ce que le son. Alors, maman, dites-moi si vous entendez. Vous entendez bien le son. Oula, elle fait du bruit. Je vais baisser un peu. Je vais redébuter si c'est bien. Alors. Ouh, elle est bien. Non. Alors, c'est bien ce qu'il est repliable. Donc voilà. Voilà notre Renault. Donc c'est un 725. Quand tu recules, je sais pas si peut-être qu'elle me servira pour l'ensilage. Me dis pas qu'elle s'approche pas, elle.
Alors, ah bah quand même. Qui a un petit problème, chef? Je suis coincé. Peut-être que je vous ferai des coupures, on verra. Je pense. Bon, on aura celle-ci. Ah oui, elle... Est-ce qu'elle a un attelage? Voilà. Alors là, on va se coincer, on va se décoincer. Désolé, les petits coups de lag. Ah, celle-ci. Parce que je voulais faire venir une ETA, mais... Je vais la mettre bien. Donc... On va avoir des champs. Qu'est-ce qu'on peut... On va faire le blé déjà. Tranquillou. Ah, j'ai mis des mods très bien en plus pour écraser les cultures et tout. Ah, mais le blé est même pas. Celui-là, ouais, elle arrive en plus. On verra bien.
Oh, faire demi-tour. On va voir. 13 minutes de vidéo. Va pas se faire chier. Se faire demi-tour. Tous les champs sont à nous donc. J'ai des petits coups de lag. Hein. La machine, elle fait tellement de bruit. Donc, pour passer dans le champ, il faut. Passer dans le champ. Je vais prendre la première. On va prendre le premier chemin. Dites-moi si vous voulez des vues intérieures, vues extérieures aussi. Obligé de prendre large. Vas-y, tu passes, moi ce pote. Elle est loin, moi ce pote, je vais l'attendre un peu. Cet épisode sera un peu plus long que prévu parce que vous avez des petites des vous avez vu vous avez peut-être des intros et tout. Je vais faire une petite belle miniature après. On passe bien, bonne route. Bon, voilà, donc là on a les cochons, vaches et tout. Et là nous avons la ferme principale. Toute façon, j'en ai tout montré. L'épisode sortira dans la semaine, je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà. On est bien au champ là. C'est un champ de quoi ça alors à côté? On va faire un champ d'orge, vous inquiétez pas. Du coup, je change mon programme. On va faire le chargement d'orge.
De toute façon, le premier épisode, c'est le début, hein, après. Je vais mettre là. Dites-moi si vous voulez les mods, hein. Tous les mods sont disponibles. Hein. Merde. Bon, on fait comment? Bon, un peu de problème. Alors, c'est pas grave, hein, vous aurez vu juste le commencement. Ouais, ok. C'est parti. C'est du blé? C'est du blé, les gens? Mais le blé, c'est ça? Ah, mais non, c'est l'orge, mais je suis con! Bon, on va s'arrêter bientôt. C'est hyper long avec la machine.
Je sais pas combien je roule, mais... Ouais, mais elle est lourde, elle est... C'est bizarre, hein, elle est... C'est bizarre, elle est... Elle tient pas la route. Bon, ben... On va se mettre. Alors... Donc, on va se mettre loin. Donc, n'hésitez pas à mettre. Donc, on va s'arrêter pour cet épisode-là. L'épisode 2 sera plus court. Là, vous aurez peut-être 30-35 minutes, on verra au total. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à mettre un commentaire positif ou négatif. N'hésitez pas à me donner des modes en. Qui est en relation avec cette série et n'hésitez pas aussi si vous voulez qu'on ce que je vous ai dit au début si on faisait des vaches, des cochons, des moutons ou les trois en même temps, ça me dérange pas. Voilà, moi j'aime bien interagir sur mes abonnés. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, n'hésitez pas à liker ou à disliker si t'as pas aimé la vidéo comme toujours. Voilà. Pour l'épisode 2, je vais essayer d'au moins finir ça. Ouais, et au moins finir ce champ-là. Et puis c'est tout. Acheter mon deuxième tracker de tête, et puis après, on aura fait ça pour notre truc. Voilà. Donc, nous, sur ce, on se quitte ici. On se retrouve très vite pour le deuxième épisode. Donc, à tout le monde.